Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nils et aujourd'hui on va continuer nos aventures avec Ansible. Il se trouve que depuis quelque temps, dans le cadre de mon labo Ascode, je fais de l'Ansible pour mettre en place une machine avec du Linux, de l'Nginx, du MariaDB et du PHP pour installer des applications. Et on a réussi jusqu'à maintenant, mais il y a des choses à optimiser. Comme par exemple le fait que je n'ai pas forcément pensé à mettre à jour le petit bandeau là-haut, par exemple. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors, hop, voyons voir ça. J'ai ma petite anti-sèche que je n'ai pas forcément très bien suivi pour aujourd'hui. Disons que je suis un peu, hop, un petit peu. Hey, salut à toi Xavier, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Hop là. Et on met labo ascode. Voilà. Et voilà. Ça devrait être mis à jour. Voilà. Super. Donc, aujourd'hui, une vidéo toujours centrée sur Ansible pour essayer un peu d'optimiser le playbook qui a été créé lors des dernières semaines. Bah écoute, oui, moi ça va très bien. Merci. Et donc, ce playbook en fait, Ansible, eh bien, il se trouve que on va pouvoir essayer de l'améliorer un peu dans l'objectif de le rendre plus comment dire plus utilisable, plus générique en fait. On va repartir d'ailleurs un instant sur un peu l'objectif de tout ça. Hop, alors. Dans les projets, nous avons, oh, il est passé où? Voilà, le labas code, et on va ouvrir ça, voilà, hop, et je vais pouvoir vous montrer à nouveau mon schéma. Oula, je crois que j'ai un peu... alors, j'ai voulu essayer de corriger le souci de dimanche dernier, et il faut croire que ça... Salut à toi, petit Pandarou. Ça a été un peu... j'y suis peut-être allé un peu fort. Alors, je vais me permettre de faire quelques petits allers-retours avec... Ah, zut. Quand je clique dessus, ça change tout. Ah, punaise. C'est pas possible, ça. Allez, on va revenir ici. Voilà. Sympa le t-shirt. Ah, le t-shirt Ion Noobs. Ouais, merci. Alors, ça encore. Je suis désolé, je fais du coup de la. Hop. Ah là là, c'est pas croyable. Voilà. Je pensais pas avoir à corriger ça en live. Hop. Non, c'était pas ça. Hop, donc c'est l'autre. On va y croire hein, que ça peut passer. J'aurais dû faire genre une copie de mon profil avant de faire ces modifs l'autre jour, mais j'y ai pas forcément pensé. Allez, on y est presque. Voilà. Comme ça. C'est à peu près lisible maintenant. Bien, donc bah, j'espère quand même que je vais pouvoir refaire à l'occasion ces modifs sur le chat là pour que ce soit un peu mieux. Oui, pour l'anecdote, le t-shirt ça vient d'une web série qui s'appelle Pure On Edge. Mais cette série Pure On Edge est terminée. Et il y a normalement, je crois, il y a deux saisons. Alors la deuxième saison n'a jamais vraiment terminé.
en version web. Il y a eu une saison à la télévision canadienne et ils ont fait un financement participatif pour faire un film qui, entre guillemets, clôt l'histoire. Enfin, le film reprend pas forcément l'histoire où elle s'était arrêtée, mais ça permet quelque part de faire quand même une sorte de fin à l'arc narratif global des personnages. Voili, voilou. Donc, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur ce schéma. Ce schéma, il montre surtout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va travailler sur cette machine-là. Et sur cette machine-là, c'est cette machine-là qui va contenir en fait le playbook Ansible qu'on va pousser sur celle-ci, qui contient donc le serveur web, la base de données, le PHP et le site web. Et pour y accéder, j'utilise un petit tunnel SSH et je peux, à partir de là, faire un http://isp3vps2.example.com et voilà, on a juste une erreur de DVWA, qui est l'appli web que j'essaye d'installer, mais celle-ci, ça, on va pouvoir le régler plus tard. Salut à toi Dino, bienvenue, j'espère que tu as passé une bonne journée. Donc, on va se rendre dans notre, d'une part dans notre répertoire SRV, GitLab, Ascode, Ansible. On va aller se connecter sur isp3vps2.example.com. Voilà. Sur celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va aller dans SRV3W dans le site web. Oh bah écoute, si ça a été, c'est cool. Public. Et on va aller dans config. Et pour le principe, pour vérifier que la conf fonctionne, config, hop là, voilà. Et ensuite, je rafraîchis et on a ça. Alors, j'ai dû laisser admin et password. Et donc, je suis dans l'application. Et j'ai même le PHP info qui nous indique donc qu'on a une machine en Fedora 36, voilà, avec un PHP 8.1. Alors, j'ai pas mis à jour la machine depuis un moment, donc 8.1.10, à mon avis, ça doit être la version qu'il y avait quand j'ai fait quand je l'ai installé entre guillemets pour la première fois. Mais donc, toujours est-il qu'on a ce qu'il faut et l'application se connecte à une base de données, donc tout va bien. Je crois même qu'on peut faire un voilà, setup reset. On voit bien que tout est installé. Il y a juste la partie captcha, mais ça va. Et il y a des histoires de writable et un utilisateur. Ça aussi, je voudrais le changer. Alors, je vais peut-être d'ailleurs zoomer un petit peu. Mais on peut voir que, voilà, là on est en utilisateur, c'est parce que c'est l'utilisateur root qui possède tout ça. Et donc en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que ben, on a de quoi installer tout, même le DVWA. Et ce que je vais peut-être vouloir faire, c'est justement retirer ce genre de choses et rendre le playbook plus générique. Et aussi rajouter d'autres choses dans le playbook, comme par exemple des tags. Donc on va essayer de voir comment avoir des tags pour éviter de relancer les trucs de façon un peu trop... comment dire, un peu trop... C'est qu'en fait, là, si je relance le playbook, en fait, il va tout me dérouler. Et ça devient un petit peu casse-pied. Salut à toi, Yoda. Donc, on va aller dans les rôles. Et pour le moment, le rôle s'appelle DVWA. Ce que je suis en train d'envisager, dans un premier temps, c'est peut-être de commencer avec les tags. Je pense que je vais commencer avec les tags, et puis après, ce que je vais faire, à moins que je commence par virer les trucs spécifiques DVWA, et que je fasse finalement deux rôles. Un rôle qui d'abord met en place le serveur web, avec Nginx, PHP, MariaDB. Et et ensuite un deuxième rôle qui va juste installer DVWA et qui dépend du premier rôle. Qu'est-ce que vous en dites? On commence par les tags ou on commence par un peu mieux organiser le truc? Hop. Bon, je sais pas si vous voulez qu'on commence avec... Il y a peut-être un sondage. Ce sera peut-être plus... manageable. Salut à toi Coco, bienvenue, et je dirais même double bienvenue puisque first time chat. Euh,
Alors, tu arrives à peine. Oh, salut, The Vengeur. Alors, organisation avant les tags. Ah, bon, alors, il n'y a pas de consensus pour l'instant, donc on va faire un sondage. On va faire un sondage. Hop, alors. On commence par quoi? Tag. Et sinon, on scinde en deux rôles. Un lamp. Et 1 plus. Ah zut, il n'y a pas assez de place. Hop. On va dire 1 en rôle lamp et 1 DWA. Hop. Comme ça. Allez, 2 minutes. Ça devrait pas être. Ça va pas être trop long, je pense. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me rendre dans le. Hop, ce que je vais peut-être faire, c'est. Bah non, normalement, tout a été redémarré. Donc, normalement, si je fais un petit playbook. History, upgrade, playbook. Voilà. Hop, moins C, moins D. Je pense que ça le fait bien. Et dwwa.yaml. Alors, Coco, ici, on fait entre guillemets les jeudis soirs. C'est plutôt ambiance DevOps, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre en place un labo, une maquette, d'ailleurs que je peux montrer, qui se trouve ici. Voilà, cette petite maquette-là, tout est en machine virtuelle, en fait. Et c'est une maquette qui a pour but, quelque part, de créer une petite partie d'Internet. Et sur cette maquette, on se focalise pour l'instant juste sur cette petite machine virtuelle-là, sur laquelle on veut installer un site web et avoir le serveur web, le moteur PHP et la base de données. Et on veut que toute cette maquette-là, donc tout ça là, tout ça c'est en VM, c'est en machine virtuelle sur un PC fixe. Et l'idée c'est que tout soit automatisé. Donc toute la partie vraiment installation et configuration, que ce soit des routeurs ici qui symbolisent des fournisseurs d'accès Internet, ainsi que d'autres services. On a ici du DNS. Là, par exemple, j'ai mis un site web. Bah, tout ça, je veux que tout soit le déploiement soit automatisé. Et comme le rappelle Xavier, le code est libre. Le code est disponible sur GitHub, sur la page du projet. Hop, que je peux vous montrer. Voilà. The Vengeur, il n'y a pas un rôle de Gearling ou de Debug pour faire ça en one shot. Alors, The Vengeur, c'est marrant que tu poses la question, en tout cas de cette façon-là. Parce que figure-toi que par exemple, eh ben, la partie MariaDB, eh ben, j'utilise le rôle de Jeff Gearling. Que la partie de PHP, pareil, c'est Jeff Gearling aussi. Alors par contre, Jeff Gearling n'avait pas fait de rôle Nginx. Mais les gens de l'entreprise Nginx, eux ont fait des rôles. Mais oui, il est partout ce bon vieux Jeff. Et franchement, ça marche bien ce qu'il fait, hein. Hop là. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Coco. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à poser. Alors, pendant ce temps, on a eu deux réponses. Et a priori, tout le monde serait partant pour qu'on commence par faire le rôle. Alors, si je fais Manage Pool et que je fais View Result. Hop, voilà. On a donc tout le monde qui est partant pour scinder d'abord en deux rôles. Ok. Donc pour le moment. Alors, ah oui, tu dis sauf quelques trucs où tu as du mal à sexer sa logique. Il veut souvent trop en faire plutôt de garder simple. Je me suis même dit que selon les trucs, parce qu'il y a certains trucs, effectivement, j'ai dû retoucher un petit peu. Je me dis que ça pourrait être intéressant de faire des. Pourquoi pas d'essayer d'envoyer des pull requests. Mais je sais pas si je vais m'en servir assez souvent pour ça pour l'instant. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir. Il y a eu un change. Salut à toi, Quasé? Koizy? Je sais pas trop, tu me diras comment ça se prononce. Bienvenue sur la chaîne. Donc, tmp ansible.log. Hop, change.
Et donc, a priori, voilà, c'est juste la partie... C'est juste la partie, voilà, synchronisation du contenu. Et puis, à chaque fois, il m'efface le config.inc.php. Honnêtement, j'aimerais bien changer ça. Donc, pour le moment... on a dit qu'on essayait de faire deux rôles. Donc, l'idée, ça va être d'avoir un rôle un peu plus générique, que je vais appeler donc lamp, et un rôle un peu plus spécifique qui s'appellera dvwa. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire carrément un mv de dvwa vers lamp, et un mv de dvwa.yaml vers lamp.yaml. YML, hop. On va effacer ce truc-là, parce que c'est avec un tilde, donc normalement ça n'a plus rien à faire, ici. Si je fais un git status, juste par précaution... Ok, c'est normal. Et dans le lamp, il faut penser, hop, ici, à dire... lmp. Et hop, on va rajouter... Non, pas ici. Alors à la limite, même, ce que je me dis, c'est que... mv.yaml dvwa, on va le revenir vers là. Merci beaucoup pour le follow, Fanta. Merci à toi, c'est très gentil. Hop. On va plutôt faire comme ça. dvwa.yaml, donc il aura un rôle. Hop. Alors, installer et configurer dvwa on a lamp server. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, je pense, c'est arriver ici et faire... Et d'abord mettre le rôle lamp, et après on mettra le rôle des dvwa. Hop. Voilà. Et on va éditer quand même le lamp.yaml. Et on va aller ici et on va dire... Hop. Comme ça, on est bon. C'était pas forcément le plus optimum. J'aurais pu faire ça plus vite, mais bon, ça arrive. Éventuellement, la première chose, c'est de s'assurer que ça fonctionne toujours. Donc, pour s'assurer que ça fonctionne toujours, ben, on va relancer notre playbook. Alors, du coup, ça va prendre un peu de temps, à nouveau. Sauf qu'on va mettre lamp.yaml. Hop. Tiens, ça aussi, il faudra peut-être le corriger à un moment. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas les tags, donc ça va encore prendre un petit peu de temps. Merci beaucoup pour le follow, Skavax. C'est très gentil. Ah, pour le coup, si vous voulez lâcher vos follows, c'est maintenant, puisque là, pour le moment, ça mouline, et moi, pendant ce temps, je manipule pas. Donc, c'est le meilleur moment pour faire des commentaires, pour follow, et je vais d'ailleurs en profiter pour vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne YouTube qui est associée à cette chaîne Twitch. Alors si ça marche cette fois-ci et que je fais un point d'exclamation socials, est-ce que ça remarche? Non? Non, ça ne remarche pas. Décidément, en ce moment, tout est cassé. Donc je vais l'écrire à moi-même. Vous pouvez aller sur anotherhomepage.org et vous allez retrouver sur anotherhomepage.org, eh bien, les liens associés à cette chaîne Twitch, et donc notamment retrouver la chaîne YouTube. Et si jamais vous regardez cette vidéo directement sur la chaîne YouTube, eh ben, il suffit d'aller cliquer en dessous sur le petit pouce et sur le rectangle rouge. Alors, donc, comme avant, juste un truc de changé. Ok. Le stream que tu regardais avant, idem. Ah, donc ce serait plus un problème de... mince. De chez... c'est quoi que j'utilise déjà? Streamlabs. Donc ce serait plutôt lié à Streamlabs que à moi. Ok, c'est bon à savoir. Merci du tuyau, Xavier. Alors, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller VI... Alors... Déjà, je voudrais revoir là... il reste des fichiers de conf de... Ok.
Alors, on va aller rechercher tous les fichiers entre guillemets de. Hop, on va faire un moins delete. Hop, c'est bon, ils ont dégagé. Allez. Moins P. Lamp. Alors. Handler. Main. Ah tiens, on va prendre le requirements aussi. Lamp requirements. Hop. Le handler. Task. Ah oui, alors. Lamp. Task main.yaml lamp vars main.yaml. Voilà, donc là comme ça. Donc, pour faire écho à nouveau à la remarque de The Vengeur, donc voilà, j'ai importé trois rôles de Jeff Gerling. Là, on a. C'est dans les rôles. Alors attends, je suis où là? Je suis dans les ouais, je suis dans les requirements. Ensuite, là, on est dans le main de chez. Ça, c'est les handlers. Donc ça, c'est pour redémarrer PHP FPM. Et on a ici toute la partie, tout le code. Et si on descend, alors voilà, on a quelques dépendances qu'on va peut-être d'ailleurs gérer un peu plus haut. La partie Nginx qui est là. Ok. Bon. Ensuite, on a là toutes les variables. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est faire un autre ici. On va aller dans SRV. Du coup, la base code. Alors, SRV git la base code Ansible. Est-ce qu'on va faire ce qu'on est dans rules? Et MK à dire moins VP. Alors on va faire un DVWA slash. Hop, donc on a handlers. Task var. Voilà, et et éventuellement ici. Salut à toi, Toinou TV. Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bienvenue sur la vidéo pour ce soir. J'espère que t'as passé une bonne journée. Et là, au lieu de lamp, on va faire un DVWA. DVWA. D'ailleurs, je me rends compte que ce que je peux faire, c'est faire un petit DVWA.yaml. Hop. Et là, on va enlever celui-là. Hop. Et bah écoute, moi, la journée s'est bien passée aussi. Donc dans les requirements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste prendre la même chose ici. Hop, enfin pas tout à fait la même chose, on va juste mettre roles 2 points et on va faire un petit comme ça et on va dire DVWA. Je sais pas si ça va passer, on verra bien. Donc le main.yaml. Ah non, ça c'est le handler. Pour l'instant, j'ai rien à mettre dans les handlers à ce niveau-là. Donc, je suis tenté de dire qu'on va juste faire rien du tout dans l'immédiat. Par contre, là, ensuite, on va aller dans le dans cette partie-là. Ouais, alors. Je pense qu'il y aura des mises à jour, mais du coup, ce que je vais faire pour le moment, c'est juste... Yes, update, yes. Ah, dans 2 minutes, The Vengeur, pas de souci. On va le quitter. Ah ouais, mais alors non. Parce que je suis dans 2 instances de Vim différentes. Alors, ce que je peux peut-être faire... Hop.
Est-ce qu'on ferait pas un truc bien bourrin qui consiste à prendre tous ces fichiers-là, copier, hop, coller. Et là, j'ai vraiment plein de fichiers ouverts dans mon Vim. Alors. Et donc, il y avait... il y a tout ça que j'étais en train de me dire que ça peut dégager. Voilà. Et je vais vouloir aller les mettre dans... Alors, ce qu'on va peut-être faire... Parce que je pense que là, on va pas s'en sortir. Et ce que je me dis, c'est que ce serait peut-être plus futé si je fais vim-p. Donc, on a dit dv lamp, dvwa. Et que je fais, on va faire handlers. Alors, les handlers, on n'en a pas besoin, mais c'est les tasks. Main.yaml. Et on va faire la même avec les variables. Parce que c'est surtout ça qui va être modifié, je pense. Voilà. Et là, du coup, j'ai... Hop, là, j'ai rien. Là, j'ai quelque chose. Là, j'ai rien. Voilà. Comme ça, ça va être plus pratique. Alors. Là, c'est pratique. Voilà. Donc, il y a toute cette partie-là. Handle document route. Bon, ça, de toute façon, on va le remodifier à un moment. Hello Nginx, ok. Nanana. Est-ce qu'il y a des trucs? Ouais, le synchronize HTML to content, ça, ça va dégager. Voilà. Ensuite, on a... Oh bah tout de suite, ça allège les choses. Ouais, c'est vrai que là, les rôles, finalement, je me demande s'ils sont vraiment encore nécessaires, ces trucs-là. Je vais... On va voir ça après. On va voir ça après, on va faire une chose après l'autre. Hein. Donc ici, ça c'est bon. Et ensuite, là-dedans, on a quand même quelques trucs. Alors, le local content repo, par exemple. Voilà. Le remote content, oui. On va avoir quoi d'autre? Là, ça va être toutes des options, enfin des variables qui sont liées au rôle de PHP de Jeff Gehring. Ah oui, ça, à un moment, faudra peut-être aussi faire quelque chose. Faudra qu'on se crée un vault Ansible, j'entends, hein, pas un vault HashiCorp. Pour le moment, ça va rester en clair. Tiens, là aussi, c'est pareil. Ça aussi, il faudra qu'on, qu'on voit... Alors ça, les MySQL... Alors... MySQL users... ça va être compliqué, cette affaire. Ça va être compliqué, cette affaire. Alors, je suis tenté de dire au début... Il n'y a pas forcément... Enfin... Ça va être un peu compliqué. Je suis un peu embêté. Alors, je vais essayer peut-être d'ouvrir un fichier... Un truc texte, histoire de prendre des notes. Enfin, de prendre des notes. En gros. Hop. Alors, est-ce que c'est assez gros là-dessus? On va grossir un petit peu. Préférence. Hop. Allez, on va en mettre 24. Voilà. Donc, le principe. Le principe, c'est que ce que je veux, c'est avoir un rôle
un rôle lamp, et je veux un rôle quelque part DVWA. Et ce rôle lamp, donc, il vient m'installer Nginx, il vient m'installer et me configurer PHP, il vient m'installer et me configurer MariaDB. Sauf que la question que je me pose, c'est comment est-ce que je gère mon rôle lamp? Alors oui, il y a un playbook qui va contenir un rôle lamp, en fait. Et du coup, mon rôle DVWA, lui, déjà, il va dépendre du rôle lamp. Mais quelque part, ce que je veux, c'est qu'il aille, quelque part, créer tout ce qu'il faut dans le serveur pour qu'il y ait un site, comment dire, quelque part, il y a un site avec du contenu. Parce qu'en fait, ce qui m'enquiquine dans tout ça, c'est que là, le PHP, il est en PHP FPM. Et alors, du coup, Nginx, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut des VHost, enfin des VHost, des serveurs, enfin des serveurs. C'est quoi exactement la terminologie côté Nginx? ETC Nginx site. Non, il n'est pas. Ah oui. Hop, conf.d. Vi ISP3 NTAC. Un bloc serveur, voilà. Donc serveur, je vais mettre serveur slash virtualhost. Tu peux dire un VHost, tout le monde comprend. Merci The Vengeur. PHP FPM, on est d'accord que du coup il faut un pool, il faut des pools FPM avec un utilisateur Unix dédié. Et MariaDB, il faut un utilisateur et une base. Et en fait, mon rôle DVWA, ce que j'aimerais faire, c'est que quelque part, ce que je me dis, c'est qu'il pourrait créer un user qui aurait des droits sur un répertoire et créer un user Unix, enfin un user system on va dire, avec des droits, créer la conf, est-ce qu'il faudrait créer la config FPM dans ce cas-là? Et est-ce qu'il faudrait créer un user MariaDB avec une DB dédiée? Ou alors ce que je fais, c'est que... Alors, des conteneurs, The Vengeur, pour l'instant, je n'y ai pas encore pensé. Je n'y pense pas pour le moment aux conteneurs. Mais en gros, ce que je me dis, c'est que peut-être que je vais vouloir mettre en place plusieurs... comment dire? Plusieurs... Si jamais je veux mettre en place plusieurs sites, hein, plusieurs sites web et donc plusieurs virtual hosts, je vais vouloir avoir plusieurs utilisateurs. Mais si je veux garder mon rôle lamp générique, je peux peut-être essayer de jouer avec des variables. Et à ce moment-là, ce serait des variables de mon rôle. Mais ce qui se passe, c'est que le rôle, si jamais je veux l'utiliser sur d'autres machines et que sur ces autres machines, je veux pas les mêmes, sites web, je sais pas trop comment faire, en fait. Alors, je me prends peut-être la tête pour rien. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je m'étais basé sur un truc comme ça pour mon site perso, notamment pour Another Homepage et donc pour le blog. Et je l'avais fait avec du Apache. Alors j'avais fait un peu la même chose, sauf que j'avais fait avec du Apache et j'avais fait un rôle complet et j'avais fait des variables
avec du Ansible Vault pour comment dire, pour justement créer tous les sites web. Mais du coup, ça fait que le truc est vraiment dédié à une seule machine, quoi. J'aimerais essayer d'avoir un max de code réutilisable, en fait. Et donc là... Et donc là, je suis un peu embêté. Ceci étant, ce que je peux faire, c'est que le rôle LEMP ne soit pas effectivement utilisable seul, mais qu'il vienne chercher des variables et qu'on ait une boucle. Oula, The Vengeur. Moi, sans très réfléchir, je ferai un playbook qui inclut les rôles Nginx, PHP, MariaDB, JavaGearing. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu fait. Et un rôle custom DVWA qui vient pour le spécifique avec des groupes var, host var pour que tout soit réutilisable, inclus à la fin. Ouais, effectivement, c'est, je pense que c'est ce vers quoi... Ouais, bah ça va être un peu ça en fait. Donc on va avoir ici... Ah ouais, mais surtout que moi je crée les... Alors, est-ce qu'on risque pas de tout remettre en... Et surtout que typiquement, voilà, ça c'est du spécifique DVWA. Ça à la limite, on va peut-être le mettre au tout début. Voilà. Et on va peut-être vouloir... Je crois que je disais que ça, a priori, ça n'allait pas être, ça n'allait plus être utile. Alors, on met à jour le php.ini, bon ça c'est... Ok. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, on va peut-être se créer un virtual host en plus, qui va être un catch-all. Donc, ça veut dire que pour le catch-all... Ce qu'il nous faudrait faire, c'est que donc là on a un doc. Donc on va créer ça éventuellement. Ah ouais, ouais, ici il y a les restore cons sur tous les. On va devoir faire joujou avec SE Linux, ouais. Alors, ce qu'on peut faire, déjà ça c'est censé être temporaire, hop, config http template nanana, template file http default.conf.j2, deployment location. Alors, on va du coup essayer de modifier quelques trucs. On va partir du principe que là on va avoir un default, alors on va appeler catch-all plutôt. 0, 000, j'ai dit 000, catchall.conf.
pas faire de backup. Voilà. Tac, tac, tac. Server name, du coup, le server name, ça va être underscore. J'ai dit underscore. Hop. Et en fait, tout ce qui va être tout ce qui va être là-haut, pour le moment, ça va être le catch-all, en fait. Ah mais quelque part le catch-all, ce serait un, ça pourrait être aussi un, oui ça, ça va être, ouais non je vais mettre le, je vais mettre le catch-all et puis on verra après. Donc le chemin doc route, ce qu'on pourrait dire ici dans le main, le doc route c'est www underscore base. Ah oui, bah là, alors du coup, ce serait catch-all. Tu viens de regarder le rôle de Jeff pour MySQL, il accepte une liste pour les DB. Donc, à la rigueur, tu fais une host var pour ton hôte DBWA avec le nom de DB que tu veux. Ok, bon à savoir. Donc, je vais faire un catch-all comme ça. Déjà, dans un premier temps. J'imagine que ça va être un peu pareil les autres services. Il est pas bête ce Jeff. Non, je pense qu'il a dû y réfléchir un peu. Mais ce que j'aimerais de fait, c'est que... si je fais un 4 de ETC, passe WD. On a... pourquoi on a un rôle... Pourquoi on a un utilisateur Apache? Il vient d'où ce truc là? On a un utilisateur Nginx, on a un utilisateur MySQL, ça c'est ok. Remarque le catch-all, on sera pas obligé d'avoir un catch-all qui a du PHP. Suivant le paquet que tu installes, par exemple, si tu mets juste PHP, ça installe toutes les dépendances et donc Apache. RPM-QA, PyGrep, HTTP. Il y a juste le HTTPD file system. Je crois que j'avais déjà fait un truc, si je tente un DNF remove. Remove de HTTPD file system, je crois qu'il il va me virer ah il me vire PHP FPM, voilà. Et normalement le install weak depth est à false sur mon installation, donc en toute logique je devrais pas avoir de soucis de dépendance faible. Et donc voilà, PHP, FPM. Et si je veux virer Fedora logo HTTPD. Ah, là, il veut carrément m'enlever la totale. Ok. Ok, c'est un peu dommage. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu améliorer les choses. Côté... côté Fedora. Mais bon, c'est un... je peux comprendre. C'est bien sous Debian. mais effectivement, donc on a bien... en fait, ces deux paquets-là, et je crois que c'est celui-là, c'est HTTPD File System qui du coup dépend de... enfin, ramène l'utilisateur Apache. De fait, je suis en train de me poser la question. Est-ce que je vais pas mettre un utilisateur? Parce qu'en gros, ce que je vais vouloir faire, c'est faire un SRV 3W catch-all. Et dans ce catch-all, je vais vouloir mettre log, voilà, log public et TMP. Mais ça peut appartenir à route, en fait. C'est le catch-all. Donc, ce que je peux faire, c'est donc... Euh...
C'est à voir. Bah, j'ai pas forcément de faire plusieurs étapes cette fois-ci, parce qu'avant c'était à cause de l'histoire du repo Git. Et donc, si jamais je veux juste le document de route et le truc, et ben j'ai juste à faire handle document route. Donc là, il crée le doc route, il crée log dir, il crée tmp dir. Est-ce que j'ai un. Ah oui, il me faut le public dir aussi. Doc route. Ah, sinon, le doc route, c'est public. Et c'est 3W base que je veux aussi créer. Donc. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse. Je vais virer ça. Je vais virer. Ça, 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 ça. Donc là, on va dire, hop, create. Base web. Base web directories. Donc je vais vouloir créer 3W base. Remarque dans ce cas-là, ce que je peux carrément faire, c'est toujours faire la boucle ici et mettre 3W base en fait. Voilà. Où est-ce que tu peux retrouver le GitHub? Alors, c'est une excellente question. Le GitHub, hop, je te le donne. Il est ici. Salut à toi, Kaiser. Alors, bienvenue sur la chaîne. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train d'essayer de faire du déploiement automatisé de serveurs web. On regarde de se faire des trucs. On essaye de faire du déploiement automatisé de serveurs web. On avait déjà fait un certain nombre de choses et là on essaye un peu d'optimiser notre système de déploiement. Et notre déploiement automatisé utilise un système de gestion open source qui s'appelle Ansible. Et donc en gros, on essaye d'avoir un serveur web Nginx. Un moteur de page dynamique qui est PHP en mode FPM et on a en plus une base de données MariaDB à installer. Et j'essaye de rendre les choses à la fois optimisées et génériques pour pouvoir réutiliser mon code au maximum. Code qui du coup est disponible aussi sur l'URL que je viens de donner. Voilà voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi Kaiser. Et sinon, n'hésite pas à demander les éclaircissements. Poup, 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 poum. Ouais, je fais partie de l'équipe de Linux FR. Qui sera du coup présente au salon... Oh, c'est quoi, c'est Open Source Experience maintenant ? Alors je peux pas vous dire exactement si je serai d'ailleurs au salon Open Source Experience. Pour l'instant, c'est encore flou du côté de mon emploi du temps. Mais croyez-moi que j'ai bien envie d'y être. Ce sera plutôt ça en fait qu'il faut faire. Hop. Et donc le salon Open Source Experience qui aura lieu... Open Source Experience. Bah justement, petit panda roux, c'est ce que j'étais en train de me dire. Hop. Continuer sans accepter. Donc 8 et 9 novembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. Aux mêmes dates et lieux que Sido, alors qu'il y a un autre salon. Donc les deux peuvent être visités, je crois, avec le même badge, ou en tout cas le badge est gratuit. Et en fait, il est aux mêmes dates et lieux que Open Source Experience. C'est déjà le cas l'année dernière, hein, les deux salons étaient côte à côte.
Et là, on a plutôt IoT, donc Internet des objets, intelligence artificielle, robotique. Et là, l'open source expérience, eh ben, comme vous pouvez vous en douter, tout ce qui a trait à l'open source et au logiciel libre. Libre, pardon, pas libre. Voilà, donc ce sera... Alors, le palais des congrès de mémoire, c'est du côté de Porte-Maillot, si je dis pas de bêtises. Visiter, tac, 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 liste des exposants. Bah tiens, village associatif, voilà. Tu es comme un Français ayant atterri en Chine sans avoir appris tes leçons, mais ça a l'air cool. Ah bah, Kaiser, écoute, si ça a l'air cool, déjà, c'est pas mal. Voilà, stand B10 pour Linux FR. Et donc, en gros, pour essayer de te donner un petit peu plus de billes, Kaiser, en fait, tu vois, là, on est allé sur le site de l'Open Source Experience. Il y a un serveur web. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir déployer un serveur web de façon automatisée, en fait. Alors, je sais pas si on peut parler de programmation, mais quelque part, bah, c'est du code hein, aussi. Donc, ça se défend. Mais je ne suis pas... comment dire? Je suis pas programmeur de métier. Moi, je suis avant tout administrateur système et réseau. Il n'est jamais trop tard, Kaiser. Il y a tout ce qu'il faut comme ressources. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de ce que j'ai appris, c'est... ces 15 dernières années a été fait grâce à des ressources disponibles gratuitement sur Internet. Donc, je voulais créer les répertoires de base. Mais a priori, je crois qu'avec le follow et le force, je me demande s'il n'y avait pas moyen de faire en sorte que tout ça se soit créé automatiquement. Www base docroot. Ouais, alors du coup, docroot, il vaut quoi maintenant? Docroot, ouais, il vaut un base publique. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Allo Nginx to write files in logdir. Ok. Et ce Linux apply file context. Ok. Tac tac tac. Et ensuite on voulait faire le catch-all. Voilà. Donc l'index ici, on va mettre index.html. Plutôt, en fait. Et cette location là, pour le moment, on va la mettre en commentaire, je pense. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire genre ça? Non. Comment est-ce que je peux faire sous Vim pour... Hey, merci beaucoup Kaiser pour le follow, c'est très gentil. Merci à toi. Finis ta phrase si tu veux de l'aide par contre. Et ben en fait, The Vengeur, ce que je veux, c'est commenter tout ce pan de code. Et d'ailleurs, merci aussi pour le follow. Tiens, j'ai plus le follow qui est en... Hop. Alors, je sais pas qui m'a follow. Ah si, Fanshawl. Merci à toi. Merci pour le follow, Fanshawl. Et donc, ce que je veux, c'est commenter... et bienvenue d'ailleurs, Fanshawl, sur le chat. Ce que je veux, c'est commenter tout le bloc, ici, dans Vim, d'un coup, d'un seul. Et je crois que c'est possible. Merci pour le follow, The New Vivic. Merci à toi. Hop, commenter bloc. Commenter plusieurs lignes. Hop. Alors, a priori, on va faire ça. Ah non, on va même monter un peu plus. On va être ici. On va aller là. Et ensuite, je peux faire deux points. Non. Ah, zut. Hop, deux points. Et je fais slash ça. Slash dièse. Et ce n'est pas ça.
Au début de la ligne, CTRL V, tu montes jusque... Alors, hop là. Voilà, pattern not found. Alors, où en étions-nous? Donc, je vais au début. De... Hop, voilà. Ici. Shift I. Dièse. Alors, hop. T'as dit début de la ligne, CTRL, CTRL V. Ah oui, c'est le CTRL V, pas Shift V. Ok. Et là, ensuite, I et dièse. Ah, zut. Ah, il me l'avait fait. Il me l'avait fait. Fichtre. CTRL V, je descends. Ensuite, Shift I, dièse, entrée. Non, échappe. Ah là là, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc... CTRL V, hop, je descends, Shift I, dièse, échappe. Voilà, super, merci The Vengeur. Hop, ça c'est fait. Donc pour le moment, si je fais ça, je vais avoir mon catch-all. Et en toute logique... Bon, c'est du spécifique, mais on va voir après. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'arrive à déployer mon catch-all avec tout ça? Là, il y a question. Alors, où est-ce qu'il va me casser la figure? Donc déjà, il a créé tous les répertoires. Il a changé la partie SE Linux. Voilà. Il rajoute, voilà, SE Linux. Tout va bien. Oui, oui, c'est vrai, je l'utilise de temps à autre, The Vengeur. Le contrôleur pour aller rechercher dans l'historique. Et ensuite, donc là, bah forcément, il saute plein de trucs parce que le rôle Nginx, lui, il est pour plein de choses. Ok. Par contre, il s'est arrêté sur le php.ini. Il a rien fait sur PHP et il a rien fait sur le MariaDB. Ce qui veut dire qu'en fait, toute cette partie-là, il les a sautées. Alors que en théorie, dans mes requirements, si je juste pour la blague, je vais peut-être le montrer. Lamp requirements.yaml. Et j'ai quand même les. Ah. Alors. Elles sont commentées tes lignes par contre, non. Celles-ci là, ouais, elles sont commentées. Donc si ça se trouve, c'est... oui, je vais peut-être aller jeter un œil dans la machine. On va aller dans. Etc nginx conf.d. Donc maintenant j'ai un catch-all. Et donc je n'ai bien que. Ah, j'ai un index.php. Ça m'embête. Je voulais que ce soit un index.html. On va relancer le bignou. Mais avant. Les trois imports de rôle sont... Oui, bah oui, les trois imports de rôle sont commentés, mais en fait, ce que je n'avais pas encore réussi à comprendre, c'est exactement en quoi les requirements sont différents des imports de rôle. Hop. Alors, on va relancer le truc. Donc en toute logique, il devrait juste me modifier le fichier de conf.
Je pense que je me suis encore lancé dans un truc de dingue, hein. Je me disais, oh, c'est un truc que je dois pouvoir boucler en 2 heures en le temps d'un stream, et puis en fait non, hein. Voilà, ça y est, c'est fait. Il l'a modifié. Ok, parfait. Et si je reviens ici, que je fais un petit cat, voilà, index.html. Parfait. Donc là, ça on est bon. Maintenant, on a cette histoire de PHP. Voilà, allez, on va le relancer. Et on va voir ce qu'il me dit cette fois-ci. Sauf que, hop, on va revenir là. En fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les raccourcis clavier. Allez, et c'est reparti. Pendant ce temps, l'open source experience, hein, ça a de particulier que il y a en fait il y a un village associatif en plus d'exposants commerciaux, on va dire. Et alors, le requirement, selon toute vraisemblance, ne sert qu'à installer le rôle depuis Ansible Galaxy dans ton repo. Ça ne va pas l'exécuter. Ah, ok. D'accord, je vois. Et donc, le principe, c'est que les exposants payent leur place à l'open source experience, mais le village associatif est offert gracieusement aux associations qui viennent mettre un stand. Est-ce qu'il y a toujours Microsoft ? Eh bien, écoute, on va regarder tout de suite la liste des exposants. Je pense que oui, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, Microsoft France, tout à fait. Tout à fait, ils sont là. D'ailleurs, je me demande s'ils sont toujours sponsors. Ce qui fut, il y avait des années où ils étaient sponsors de l'événement. Et oui, ils sont sponsors Gold. Voilà, ils sont sponsors Gold. Ils font énormément pour l'open source, même si... Alors, ça reste Microsoft, hein, The Venger. Je pense que si tu vas aller dire ça sur le stream de Emil, tu vas avoir des ennuis, hein. Alors certes, ils ont racheté GitHub, mais quand même. Enfin, remarque, GitHub ne fait pas non plus énormément d'open source. C'est juste que ça héberge beaucoup d'open source. Bref, c'est... où en étions-nous, sinon ? A priori, tout va bien. Tout va bien. Oui, mais il contribue au noyau Linux, mais pour une raison très simple. C'est parce que comme ça c'est pour faire fonctionner les trucs sur Azure. Ils y ont un intérêt, hein. Ils font pas ça par bonté d'âme, hein. Après, c'est de bonne guerre, hein. Que les choses soient très claires, c'est de bonne guerre. Est-ce qu'on en profite indirectement ? Peut-être. Peut-être. Pour être honnête, je n'analyse pas les contributions de Microsoft au noyau Linux, donc je ne saurais pas dire si réellement, moi, j'en ai profité sur mon système Linux bare metal. Parce que les choses soient très claires, hein, petit rappel. Hein, voilà. Hein, je suis pas en train de streamer sur un PC Windows. Hein, je suis sous Linux. Et c'est natif, hein. Vous pouvez voir, il y a le host, ça c'est le modèle de la carte mère, hein. C'est pas un truc KVM planqué dans un coin. Hein. Donc je serais assez étonnant que j'ai du comment dire, qu'il y ait du code Microsoft, enfin qu'il y ait du code Microsoft qui tourne sur ma machine. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'ai du code Microsoft qui tourne sur ma machine ? J'ai pas d'appli Microsoft installé. Alors, Meussi, bienvenue. Bienvenue à toi. Et SystemD. Alors oui, effectivement, Microsoft a embauché Lennart Pottering, le développeur de SystemD. Est-ce qu'on peut considérer que SystemD est maintenant un produit Microsoft ? Ah non, mais c'est une entrée fracassante amusante. Ça va, il y a des gens qui arrivent en disant des... non, en fait, non, il n'y a pas de gens qui arrivent en disant des anailles. Globalement, en tout cas, pas sur cette chaîne.
ou alors il reste pas longtemps. Mais pour le coup, ouais, entrée fracassante, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est du débat intéressant, je trouve. Ne t'inquiète pas, monsieur. Donc, ah oui, j'avais toute la partie PHP et MySQL. Et donc, il a fait MySQL. Il a fait MySQL. Donc, a priori, on est plutôt OK. Ce qui veut dire que... Je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Bon, allez, on recommence. Voilà, je vais mettre ça en commentaire, et ce pour une raison très simple, c'est que finalement, je ne le veux que pour des VWA. Donc l'idée, c'est que pour le moment, ça dégage. Et ensuite, je vais vouloir me concentrer sans doute sur sur tous les pools ici, enfin toutes les variables ici qu'on va pouvoir... qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc, si je reviens ici, pour le moment, est-ce que je veux un pool Parce que oui, j'ai un catch-all, mais finalement, le catch-all, il n'a pas besoin de... Il n'a pas forcément besoin d'un... Comment dire? Il n'a pas besoin de PHP, il n'a pas besoin de MySQL. Alors déjà, je vais relancer mon truc ici. Pour casser un peu ton délire, Microsoft était le cinquième plus gros site du kernel 3.0. Ah oui, quand même. Il serait pas étonnant que ce soit Fedora 36, il en reste des bouts. Ah! Oh punaise. C'est oui quand on... alors que les choses soient très claires, moi je suis pas comment dire, l'idée n'est pas de leur faire dessus. L'idée n'est pas de leur faire dessus. Ouais, donc là, effectivement, start replication, configure, non, skipping, ok. Ok, donc ça a été dégagé. Maintenant, c'est comment est-ce que je vais gérer cette histoire de pool. Alors, je vais peut-être, est-ce que, j'ai pas envie d'en faire un pour un catch-all. Mais ça veut dire que, de fait, je vais devoir juste garder... Parce qu'en fait, par défaut, si jamais j'ai pas de pool... Parce que autant la partie PHP packages, ça c'est normal, tous ces trucs-là à la limite. Il y a juste celui-là, la PHP FPM pool user pool group... PHP Web Server Daemon. PHP Web Server Daemon Nginx. Oui, non, ça c'est normal. Ça c'est pour dire au rôle de Jeff Gerling, au fait, tu vas causer un Nginx. Mais de fait, en fait, ici, tout ça. Fichtre.
tout ça finalement, eh ben, il va falloir que je le mette en commentaire dans un premier temps. Et pour cela, alors bah alors. Eh, hey, The Venger, j'essaye vraiment de me rappeler de du truc. Hein. Ctrl V, je descends jusqu'à ce qui m'intéresse. Je vais y arriver. Hein. Shift I, dièse, échappe. Ctrl V, pas Shift V. Ouais, j'ai fait Shift V. Ah oui, effectivement. Donc ça, pour le moment, je n'en veux plus. Ensuite, il y a tout ça aussi, pour le moment. Tout ça, j'en veux plus. Voilà. Et en fait, ce que je devrais même faire, c'est que tout ça... Voilà, ça va aller plutôt ici. Et ensuite, tout ce qui est là... Ça vient ici. Comment ça, tu peux pas ouvrir ça? DVW, comment ça? Tu veux bien le type de comment je suis passé le bloc de l'un à l'autre? Alors attends. Roll. DVWA. C'est parce que j'ai fait un task.vars. Ok. MKDR-VP. DVWA. Slash. Salut à toi, Jonathan! Task. Et virgule vars. Alors, tu veux que je te dise comment je suis passé de ici, là où j'avais mon bloc en dessous, et à ici, en fait? C'est ça? Ouais, comment j'ai passé le bloc MySQL sans le sélectionner dans l'autre fichier? Bah en fait, donc, pour ouvrir plusieurs fichiers en même temps, j'ai utilisé l'option vim-p en mettant ensuite les fichiers les uns à la suite des autres. Et ensuite, lorsque j'ai fait ma sélection, donc là, je peux monter un truc. Je peux faire par exemple ici, hop, je descends. Donc là, j'ai fait Shift V. Je fais D, je coupe, je vais ici, je fais Shift G pour descendre, et je fais P pour coller. Et ensuite, je peux faire U ici pour annuler, et je reviens, je fais P, ça revient. Et donc pour naviguer entre les fichiers, entre les onglets de fichiers qu'on voit là-haut, j'utilise G, T pour aller vers le fichier de droite, et j'ai grand T pour aller vers le fichier de gauche. Bah écoute, c'est le but hein, d'être rapide. 2.n, ça marche pas. 2.n. Can go beyond last file. Ah. Si, ça marche. Ouais, sauf que en fait, quand t'es en 2.n, quand tu arrives au dernier fichier, tu reviens pas au premier. Alors qu'avec GT, en fait, tu reviens au premier. Là, je navigue entre tous les fichiers et une fois que je suis arrivé au dernier, je vais au premier.
Et pareil, si je fais petit g grand t, quand j'étais au premier fichier, je reviens au dernier. Merci, j'ai plus de questions, votre honneur. Oh, quand même. Attends, il m'a fait quoi là? Il m'en a. Il m'a fait quoi là? Il m'a. Ah, je crois qu'il m'a fait. Il m'a. Oh punaise. On va quitter ça sans écrire. Je pense que j'ai fait des bêtises. Ok, c'est bon. Je suis revenu à mes PHP package. Mais ok, c'est bon. C'est bon. Finalement, tout ça, là, je vais pouvoir peut-être les décommenter après. Mais en attendant, où est-ce que j'en suis? Donc, a priori, pour l'instant, j'ai mon... Ah, j'ai perdu mon main.yaml de... Ah, punaise, il me l'a pas enregistré. Ok. Il me l'a pas enregistré. Ah, je me suis fait avoir. Ok, bon. J'ai perdu du contenu, mais c'est pas vraiment très... Enfin, je l'ai pas vraiment perdu. C'était toute une partie ici qui était liée à la partie Git de DVWA. Ce que je peux faire, c'est aller regarder par ici, dans Ansible, role DVWA... dans task, dans le main.yaml ici. Remarque, je peux faire un git diff en fait. Voilà, j'ai tout ce qui est là en fait. Et je peux peut-être même faire un git fetch de dvwa task main.yaml. Ah d'accord, en fait... Ah, je peux pas fetcher un seul fichier? Sérieux? Git checkout. Ok, c'était pas fetch, c'était checkout. Autant pour moi. Ouais. Donc je disais dvwa task main.yaml. Voilà. Et donc ce que je voulais c'était ça, cloner le repo. Ça on s'en fiche. Synchroniser le HTML, ça nous intéresse. Toute cette partie-là, Nginx, du coup, elle devient... Ah, attention, on va peut-être vouloir la garder. Les Python Devs, on s'en fiche. L'installation des rôles, l'import des rôles. Ah, l'import des rôles, ça va peut-être nous être utile. Donc... Et l'update, celui-là, pour le moment, on va le commenter ici. Hey, merci beaucoup pour le follow de la part de Discalp. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, je te l'accorde, parfois on se perd avec tous les programmes et même parfois c'est piégeur, genre wget et curl pour la destination. Normalement, c'est moins grand au lot. Ah oui, effectivement. Hop. Hop.
Voilà. Là, on est bon. Ensuite, ça, ce sera déjà fait. Hop. Ça. Donc ça, a priori, pour le moment, ça reste à voir, mais au moins, j'ai pas perdu de code. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est passé où, l'autre fichier? Je suis en train de me perdre dans mes fichiers, c'est monumental. Salut à toi, Cookie, bienvenue. C'est gentil de passer faire un petit coucou. Bah écoute, ça va bien, et toi? Bah ouais. Oh, et puis ils sont mignons, tes gifs. Tes petits émotes. Alors, point d'exclamation FC. Followage. Tu pleures? Oh bah mince alors. Faut pas pleurer. Pleure pas, t'inquiète. D'après ce que j'ai compris, les trucs en point d'exclamation. 17 juillet 2022. Tu me follows depuis le 17 juillet 2022, c'est sympa. Merci d'ailleurs. Encore merci de toujours me follow. C'est qu'on commence à être un petit peu nombreux, hein, enfin, y a du monde, hein, qui follow cette chaîne. Vous êtes plus de 700. J'ai toujours du mal à m'en remettre. C'est assez fou. Alors, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais quand j'ai commencé à me perdre, moi, avec mes histoires de Vim et de... Alors, tu dois préparer une présentation sur différentes méthodes de sauvegarder une BDD. Ah! Ah oui, c'est costaud. C'est costaud. Alors, différentes méthodes de sauvegarder une BDD. Tu as déjà quelques billes ou pour l'instant t'es en mode page blanche, hein. Et c'est même pas drôle. J'ai pas saisi la blague, The Vengeur, mais c'est pas grave. Donc là, normalement, j'avais mes trucs de base de Nginx. Mes trucs de base de Nginx, le catch-all. Merci beaucoup pour le follow, Magaric. Merci à toi. Ah, c'est pas drôle ce que doit faire The Cookie. Ouais, effectivement. Au moins, écrire un rôle Ansible, on peut rigoler. Alors, donc ouais, j'étais plutôt du côté des variables, je crois. Hop, voilà, ici. Et j'avais fait un peu de ménage. Donc a priori, j'étais en train de me dire, est-ce que ça redémarre toujours mon biniou? Si je reviens ici, plus... Non, si je reviens ici et que je relance le lamp. Alors c'est important les sauvegardes de base de données de toute façon. Oui, c'est important, tout à fait. C'est juste. Ah bah oui, c'est la présentation qui est un peu casse-pied, mais je trouve que c'est. Alors. Intro, présentation. Sumer. Explication, qu'est-ce qu'une sauvegarde? Présenter les différents types de sauvegardes. Ah oui. Bonsoir, j'ai pas pissé une ligne de code depuis plus de 7 ans. C'est le genre de stream que je recherche pour me remettre les mains dans le cambouis. Ah bah Alors, Magaric, je suis pas vraiment programmeur, hein. Je veux pas te faire de faux espoirs. Néanmoins, t'es toujours bienvenu, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, bienvenue à nouveau.
Là, pour le moment, c'est plus du code Ansible hein, qu'on fait. Donc, c'est beaucoup d'YAML, en fait. Et pas forcément tant de code. On va pas faire du C. On va pas forcément faire des trucs très, très haut niveau, je pense. Et Cookie qui continue du coup avec son fil conducteur de présentation de la sauvegarde. Comment mettre en place avantage inconvénient, savoir allumer ou éteindre la sauvegarde. Bah écoute, ça m'a l'air très complet. Pour le moment, tout va bien. Ok, 32, changer 0. Ok. La question que je me pose, c'est si je reviens ici, systemctl stop MariaDB, hop, PHP FPM, Nginx, je suis dans Nginx là, ok, on va faire sauter tout ce truc. Ça vient d'où ça? Ah, ça doit être le truc de base, je crois. On va faire sauter tout ça, de toute façon. Hop. Voilà. ETC, PHP, FPM, point D. Hop. On va faire sauter le dvwa.conf. Oui, je vais les faire sauter. Le 3W, il y avait quoi dedans? Ah oui, c'est le pool de base. C'est le pool de base, user et groupe Apache. Ok. C'est un peu dommage, tu vois. J'aurais bien aimé que le PHP FPM il vienne avec un utilisateur. Parce que là, quand t'es sur du Nginx, du coup, user Apache, bon. Et donc, Cookie définit une stratégie. Les logiciels de leur tarif, voir comment tenir 30 minutes là-dessus. Oh, y a moyen. Bah, en fait, The Venger, Jeff a prévu des choses. Si on regarde dans les variables, tu vois que... Alors, est-ce que c'est ici? Non. Hop. Si je remonte ici, tu vois qu'il y a, voilà, PHP, FPM, pool user et pool group. D'ailleurs, je les ai effacés, mais j'aurais pu te montrer ça. Mais là, de fait, si j'ai rien, qu'est-ce qui se passe maintenant si je relance le truc ? Juste la partie lemp avec un... D'ailleurs, il faudrait peut-être même carrément que j'efface les fichiers de base de données de MariaDB. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Voilà. Ah, il a fait le MySQL. Il a rien. Bon, il a fait un changement parce qu'il a relancé. Ah, mais du coup, il a pas touché à PHP. J'ai pas de pool PHP qui tourne. À la limite, c'est pas grave. Faudra que je le prévoie dans les ajouts de. Mais donc, si je reviens ici et que là, du coup, mon appli, elle est plus installée. Hein. Si je reviens ici et que je fais comme ça, normalement, bah non, je veux pas ça. Je veux, hop. Mais non, je veux pas en HTTPS. Je veux en HTTP. Et il m'a fait un HTTP. Oh. Il n'arrive pas à s'y connecter. Il a pas de... Ah, c'est ça, Nginx n'est pas lancé. J'ai toujours le petit souci de relancer Nginx. Donc il va falloir que je l'ajoute quelque part.
Et je vais me mettre ici, je pense. Sauf que je crois qu'il va falloir que... Ouais, c'est ça, JC Guillon. Et d'ailleurs, bienvenue, un petit handler. On va faire un petit handler pour cette histoire de Nginx. Voilà. Alors. Pop, 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 pom. Bah, name Nginx. Et puis en fait. C'est ça, hein. Merci beaucoup pour le follow, Tom Cruise. Merci à toi. Hop. On va le tenter comme ça. Restart Nginx. Hop. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai pas dû le mettre comme il faut. Il faut qu'il soit au même niveau que... Alors... Faut qu'il soit au même niveau que le name. Ok. Voilà. Ah zut, je me suis trompé. Oh, j'aime pas ça. Voilà. Alors. Mieux. C'est reparti. Donc là, la problématique, c'était purement et simplement de l'indentation, en fait. YAML est très, très, très sensible à l'indentation. Et oui, je sais, Guillaume, je fais ça en... Alors, je ne fais pas ça en VI, je fais ça en Vim. Et sans extension VS Code, tu produis rien. Ah. Alors... Pour l'anecdote, j'ai essayé pendant un bon moment d'utiliser Atom. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Atom, j'avais... qu'est-ce que j'avais? Si j'ai voulu... En fait, ce qui se passait, c'est que les raccourcis clavier, toutes les possibilités de Vim me manquaient. Alors, je sais qu'il existait un petit plugin pour ça. Mais je crois qu'il le plugin du coup interférait avec d'autres raccourcis de Atom et malheureusement ça m'a j'ai préféré revenir sur Vim. Alors j'ai pas fait gaffe s'il m'a fait un restart d'Nginx. Ah mais il n'y a pas de souci, je suis dit, on a le droit de débarquer en tout, en cours de... Alors ça c'était donc le truc, ok. Ah donc il n'a pas fait de restart. Donc je me suis trompé dans mon Notify, restart Nginx. J'ai dû me tromper, quelque part. Alors, où est-ce que je pourrais aller regarder? Ah, zut. Hop, alors cookie, surtout sur VI, tu peux mettre plein d'extensions. Alors surtout sur Vim, attention, hein.
Le vieux VI, lui, les extensions, il les connaît pas. Hein. On peut mettre effectivement plein d'extensions avec des couleurs raccourcies et tout. Et toi, tu enlèves de plus en plus tes extensions VS Code. Tu dois en avoir une ou deux pour juste... Ah, pour refermer les balises automatiquement quand tu fais de l'HTML ou des objets. Sinon, plus rien. Ok. Oui, effectivement, la discussion à Microsoft était assez fandard. The Venger. Et J.C. Guillon, d'ailleurs. Tu fais un peu route avant. Mais la compétition et la doc intégrée, tu peux plus t'en passer. Ah oui, ça je me rappelle, Cookie. Y a pas de souci. Bah, t'as pas eu le temps, t'as pas eu le temps. Oh, et puis ça va, j'ai pas non plus énormément besoin de grand chose. Je vais reprendre la Ansible. Oups là. En minuscule, Ansible Handlers. Parce que. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'en avais pas particulièrement besoin. Donc j'allais pas te. J'allais pas t'embêter avec ça. Y a peut-être des gens qui méritent plus ton temps que moi. Sur ce sujet-là. State restarted. Non mais c'est ça. Handlers, name, Ansible built-in. Ah zut, faut que je le mette autrement. Ah oui, ça c'est dans les handlers. Name. Service. Name. Nginx. State restarted. Donc ça c'est bon. Sauf que je l'ai appelé restart Nginx. Et donc là, si je vais ici, notify restart Nginx. Donc ça devrait être ça. Maintenant, t'es rentré en cursus... Oh, CyberSec, félicitations. Ça doit être super intéressant. Pourquoi est-ce que... Alors, ici, je fais index.html et je rajoute index.php. Est-ce qu'il va me le restarter? Si j'ajoute index.php comme ça. Alors. Roulement de tambour. Donc, il a... ok. Nginx, est-ce qu'il va faire le petit handler? Ou alors ça se trouve j'ai oublié d'enregistrer le fichier. Oh, ce serait bien ma veine ça. Ça va se terminer en moins VV tout ça, il y a des chances. Change, ah attends, change, voilà, handler, Nginx config. Là, il a passé les trucs. Restart Nginx. Voilà, là il l'a fait. Ok. Il l'a fait. Pgrep Nginx. Voilà. Donc maintenant je peux revenir sur mon Firefox. Je peux enlever l'HTTPS. Puisque de toute façon il y a le truc est 403 forbidden. Bon, ça à la limite, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux, c'est logique vu que en fait il n'y a pas de page HTML pour l'instant. Dans le truc. Alors après, je pourrais utiliser le rôle Nginx contient de quoi générer une page HTML de base. Pour le moment, je ne le fais pas. On verra si je rajoute une page moi-même. Mais pour le moment, ça me convient tout à fait. Tiens, d'ailleurs, il faudra peut-être que je modifie un peu ça. Mais là, déjà, on est pas mal. On est pas mal. Alors ça du coup, ouais, je l'avais mis là, donc ça, on va peut-être pas s'embêter. Hop, ça dégage. Et non mais je... Ah mais il me l'a... Oui c'est ça, il me l'a...
Alors ça, c'est le truc, il y a des fois, accidentellement, je ferme le fichier. Et de fait, je ne sais plus où j'en suis. Faudrait que j'apprenne certains autres raccourcis pour pouvoir, par exemple, ouvrir un fichier et l'ouvrir plutôt à gauche au niveau de mes onglets plutôt qu'à droite. Où est-ce qu'on en est? Je pense que là, ça va être bien le bazar si je fais un git status. Ouais, c'est un joli bazar. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un git add point, un git commit-a pour voir là où on en est, pour garder trace, en indiquant que, bon, voilà, pour le moment, c'est du refactoring et que là, pour le moment, c'est un peu tout cassé. Donc, je disais git add point, hop, git commit-a, enfin, git commit d'ailleurs, hop. New file, rename, modify, ok. Alors. Est-ce que je fais un truc pour m'entraîner ou c'est un vrai projet? Alors, Cookie, l'idée en fait, si je remets le schéma, en fait l'idée c'est d'avoir des... c'est d'avoir... Alors c'est... on va dire que c'est un peu les deux, parce que le projet final, enfin le projet final, il n'y a pas vraiment de projet final, mais le principe c'est d'être sur ce schéma-là, où en fait tout ça c'est de la machine virtuelle, sur une seule machine, c'est un labo virtuel, que j'essaye d'installer via des outils d'infrastructure as code et de gestion de déploiement. Et en fait, l'idée, c'est que il y a donc des routeurs qui simulent des opérateurs Internet, et derrière les opérateurs Internet, en fait, tu vas avoir des services. Donc là, on a déjà des services DNS qui tournent. La machine qui fait Ansible, elle est ici. Et ensuite, j'ai ici des machines que j'ai appelées qui sont appelées des VPS. Celle-ci, il y a juste un site basique, il y a un Nginx basique avec justement le même code que mon site perso. Et ici, c'est celle sur laquelle on a bossé ce soir, parce que je voulais essayer d'avoir un Nginx avec un MariaDB et un PHP pour pouvoir installer. Alors, dans ce cas de figure-là, un DVWA, mais l'idée, c'est que si je peux cloner pour avoir d'autres machines et d'autres applications, ça pourrait être envisagé. Bah merci, c'est gentil de trouver ça trop bien, moi aussi j'aime bien. Je suis content, si ça plaît à des gens. En plus justement le code est libre, hein. Le code est dispo sur GitHub. Hop, je vous le remontre dans un petit instant. Move tab, new window, pouf. Hop, on va revenir ici, voire même en fait la base code, voilà. Et donc en fait voilà, c'est disponible, oups, je me suis trompé de, voilà, comme ça. Donc c'est disponible sur GitHub. Je vais d'ailleurs vous renvoyer hop, le lien. Hop, et on va finir les commits là maintenant. Voilà. Hop, git push. Ah bah non, je peux pas git push, oui, effectivement. Faut que je revienne ici, que j'aille dans mon... Donc là, je suis sur ma machine de stream. GitHub, la base code. Et donc, ce que je faisais, oui, c'était que je faisais un git fetch de ISP1 VPS1. Hop. Et ensuite, je pouvais faire un git, git log. Je sais plus si je pouvais faire un git log de ça. Non. Ah oui, ISM2.main, je crois. Non plus.
Cloud Init injecte des données au démarrage des V. Alors, ah oui, j'ai pas tenu tous les messages. Tu sais pas si tu comprendrais grand chose pour le moment, mais tu jetterais un coup d'œil. T'as autant envie de te faire mal. Oh, j'ose espérer que ce sera pas prise de tête, Cookie. Fanchol qui dit question peut-être un peu hors sujet. Ça sert à quoi Cloud Init? Et JC Guillon répond, Cloud Init injecte des données au démarrage des VM. Tout à fait, Cloud Init, pour être exact, il sert à pouvoir injecter une première conf, en fait. Et oui, ça sert à simuler le réseau dont je parle. En gros, les VM, j'ai envie de dire la base, j'ai envie de dire l'enveloppe. Genre, je dois créer une VM avec tant d'interfaces réseau sur tel réseau virtuel, avec tant de CPU, tant de RAM. C'est fait avec Terraform. Ensuite, grâce à Terraform, on peut dire, voilà une conf minimale pour paramétrer la VM. Et cette conf minimale, elle est donnée via Cloud Init. C'est-à-dire que mes routeurs, par exemple, la configuration est faite via Cloud Init. Les VM, la configuration de base aussi est faite via Cloud Init, et pour aller plus loin, en fait, à ce moment-là, je rajoute Ansible pour faire des configurations beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes. Mais de la même manière que j'ai Terraform qui appelle quelque part Cloud Init, rien ne m'empêche un jour de détruire intégralement cette plateforme et ensuite d'avoir au niveau de la configuration Cloud Init, une fois que toutes les machines sont démarrées, de dire, au fait, lui, tu lui balances une ligne de code qui est grosso modo Ansible et déroule-moi tous les playbooks. Est-ce que j'utilise Proxmox en hyperviseur? Absolument pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de lancer l'interface pour. La machine. Hop là, la machine, elle est là. Et en fait, c'est aussi une Fedora qui tourne du coup avec KVM Libvirt. Et j'utilise Virtual Machine Manager en remote pour voir les VM si jamais j'ai besoin. Donc là, l'ISP1 VPS1 sur lequel j'étais, hop, je double-clique dessus. Et le voilà. J'ai la console locale. Et l'ISP3 VPS2, c'est lui. J'ai dit c'est lui. Et il est là. Alors, c'est que je bosse pas mal avec du Debian, en fait, donc... KVM, pas de Vagrant. Non, pas de Vagrant. J'ai l'impression, hein, tu me corrigeras si je me trompe, que Vagrant est plutôt utilisé pour faire du petit test vite fait. Alors, c'est pas seulement une question d'éviter Debian, mais j'en fais par ailleurs, de toute façon. The Vengeur. Oui, c'est une question d'habitude. Bah oui, bah moi historiquement, c'est vrai que... Alors, si je ne fais pas du Fedora, ou du CentOS, ou du Red Hat, je ferai du NetBSD, en fait. Mais ça m'est arrivé de faire du Debian. Hein. Typiquement, dans le genre Debian, tu peux retrouver sur mon GitHub, j'ai fait ça pour des cours que je donne... Hop, j'ai fait un cours serveur web Linux et ce cours est basé sur Ubuntu et Debian. C'est-à-dire que l'école dans laquelle je fais ce cours, les postes de travail sont sous Ubuntu. Donc toute la partie installation de QEMU, KVM, Libvirt, ça se fait sur Ubuntu. Et ensuite tout le reste, c'est du Debian. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les streams associés assez court sur ma chaîne YouTube, et normalement les trois dernières vidéos devraient sortir, je l'espère, dans les semaines à venir, puisqu'elles ont déjà été tournées. Faut juste les faire les descriptions YouTube, elles ont été uploadées, faut que je fasse les descriptions YouTube pour 6 ou 7 vidéos, et ce sera en ligne dans les semaines à venir, j'espère. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir ici, git log, et donc c'était ce commit-là, hop, git cherry pick, voilà, et git push. Voilà, comme ça, vous avez le code qui est dispo.
The Vengeur, qu'est-ce que tu nous racontes? Il a l'air très complet ce cours, il t'arrive de donner des cours à des BTS et c'est pas aussi fourni. Ah, bah après ça dépend aussi combien de temps de cours tu as avec, avec les BTS et quel est l'objectif. Moi en fait là je c'est un cours à des Master 2, mais c'est un cours à des Master 2 qui ne sont pas techniques d'origine. D'ailleurs, je sais plus si j'indique dans le cours d'où vient, où est le... pour quelle école. Non, je l'indique pas, justement parce que c'est pas forcément utile. Du coup, on va revenir comme ça. Ah, zut. Ah oui, le truc, c'est encore... Décidément, la fenêtre de chat, c'est vraiment quelque chose de... Alors, je crois qu'il y a eu un message. Hop. Ben, alors The Vengeur, c'est fini parce que, bah oui, ça fait déjà 2 heures que je stream. Alors, du coup, le message, c'est pas affiché là. Hop, j'ai encore du mal à gérer les droites et gauches avec les retours vidéo. Mais je fais 2 heures de stream. Donc, en gros, généralement, je stream de 20h à 22h le jeudi. Et je stream aussi le dimanche de 18h à 20h. Les streams du jeudi, c'est le fil rouge, quelque part. C'est justement le labo Ascode. Il n'y a pas de souci, je peux peut-être répondre à ta question, J.C. Guillon. Est-ce que je connais ARA pour enregistrer les logs Ansible, et si oui... Alors non, je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. J'irai regarder, de fait. Mais non, je ne connais pas. Et donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, je stream aussi les dimanches, mais le fil rouge, ça reste le jeudi. C'est-à-dire que donc mes streams Ansible, là, sur le projet Labo Ascode, c'est uniquement les jeudis. Les dimanches, je varie un peu plus. J'ai eu fait pendant un temps des trucs sur Kubernetes. Ensuite, j'ai fait quelques Capture the Flag en cybersécu. Donc, Cookie, si jamais tu veux regarder les replays, il y a quelques CTF en mode facile que j'ai fait récemment sur TryAcme. Et à partir du dimanche qui va venir, là, on va entre guillemets quitter un peu le software pour aller plutôt vers le hardware. Et l'idée, c'est que j'ai un mini PC avec qui chauffe un peu, qui fait un peu de bruit au niveau du ventilateur. Et l'idée, vendredi, ça va être de démonter ce mini PC, de changer son ventilateur par un truc beaucoup plus silencieux, potentiellement peut-être de changer la pâte thermique au niveau du processeur et du chipset, et espérer que cette machine soit silencieuse pour pouvoir l'utiliser pour d'autres projets. Merci pour le follow d'ailleurs, JC Lyon. Merci à toi, c'est très gentil. Ah bah écoute, voilà, JC Guillon, en plus tu donnes un truc utile à The Vengeur. Moi ça me plaît beaucoup quand les gens échangent sur mes streams et découvrent des choses. Merci beaucoup d'ailleurs à Castor Gnial pour le follow. Merci à toi. Ce que je vous propose avant de nous quitter, eh ben, c'est de faire un petit raid. Et ça tombe bien, parce que vu que je stream en ce moment en même temps que Rancune, que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup Legion of Penguin pour ton follow. Eh ben, on va aller raider Rancune, en fait. Très sympa le stream. Bah écoute, merci. J'espère que les autres, quand tu reviendras pour d'autres streams, tu les trouveras tout aussi sympas. Donc voilà, l'idée c'est d'aller raider Rancune. Rancune qui fait de l'électronique. Donc vous pouvez le saluer de ma part, vous pouvez le follow de ma part, puisque tu venais de Rancune. Il a pas terminé, j'espère. Dis-moi, les Legion of Penguin, il a pas terminé, je vais aller regarder ça tout de suite. Non? Ah non, bon. C'est qu'il a dû voir l'heure, il sait que je finis à 22h, il parlait de moi, et bah écoute, il doit commencer à entendre ses oreilles siffler. Il vient de cut? Non. Alors effectivement, il y a aussi Virtual Labs, il y a aussi Top Clean qui sont...
Mais d'accord, Rancune vient de finir. Décidément, il a coupé juste au moment où il a dû sentir que j'allais le raider. Genre, il s'est dit, oh, et Nils, il arrête pas de me raider à chaque fois les jeudis, je vais m'arrêter avant. Bon, plus sérieusement, alors Virtua Labs, je sais que je l'avais raidé pas mal de fois à une époque. Top Clean, c'est plutôt lui qui m'avait raidé, je crois. Donc, on va peut-être lui rendre la politesse. Et puis la prochaine fois, bah, selon le cas de figure, soit Rancune, soit Virtua Labs, histoire de varier un peu. Mais c'est bizarre, je le vois encore en ligne. Alors. Ah oui, effectivement, il vient de cut. Il vient de finir. Ok, bon, eh ben allez, on va aller voir Top Clean. Bon, bah du coup, je vous souhaite une excellente fin de soirée avec Top Clean. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche pour le petit stream orienté hardware et température. Et puis bah d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur Discord pour discuter. Et puis bah merci beaucoup pour ton follow, le Nord et l'Ansois. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!